Alors moi, c'est Fono Michael. Ça fait 10 ans que je suis à Soprofen. J'ai débuté tout au début en intérim. J'étais vite en CDD, puis en CDI. J'ai même évolué, plutôt pas mal. J'ai l'ambition de devenir chef d'équipe aussi. J'ai fait partie aussi du CSE. Je connais bien toute l'entreprise. Alors quand je suis rentré à Soprofen, j'étais à l'emballage. Aujourd'hui, je suis leader. Alors en tant que leader, c'est simple, ma mission principale est surtout l'humain, que les gens veuillent rester dans mon équipe. Je suis la tête de la locomotive et le wagon, c'est les ouvriers, quoi. Et donc moi, j'amène tout ça où on doit aller. Par exemple, si on doit finir une journée, par exemple le mardi, il faut absolument que je fasse que mon équipe ait fini le mardi, tout en étant bien à son travail. À manager, je dirais une petite quinzaine. La polyvalence et le fait de bouger beaucoup. J'ai toujours des challenges à relever et c'est ça que j'aime en fait. Je n'ai pas de contraintes, non, parce que je m'adapte très bien, hein, même si j'en ai certainement, hein, mais là, comme ça, à vue de nez, ça ne me dit rien du tout. Les habits de travail, hein, comme là, un pantalon, t-shirt, pull, les bouchons d'oreille, c'est obligatoire pour tout le monde. Les gants, des lunettes si je débite, le mettre pour la qualité. Alors, en production, il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Il y a une équipe de nuit qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. On a énormément de commandes. C'est une très très bonne entreprise. Hein, dans la région, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises déjà. C'est pas sale. On travaille dans la propreté déjà d'une, hein. C'est important quand même. Moi, j'ai fait pas mal d'entreprises aux alentours. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures. On a des bons avantages, bien niveau salaire, primes, CSE, il y a pas mal d'avantages. On est bien payé. Moi, je trouve que c'est une bonne entreprise de la Haute-Saône et qui grandit encore en plus. Je veux dire, ça fait 10 ans que je suis ici. Après, je ne sais pas, hein, je sais pas l'avenir, ce que me réserve l'avenir, mais franchement, moi, je suis bien.